Fichet en trois actes livrés d'Alphonse de Congé Dubreuil, d'après Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre. Musique de Jean-François Le Sueur. Création à l'Opéra Comique de Paris, le 24 Nivose en 2 de la République, autrement dit le 13 janvier 1794, soit à l'exacte moitié de cette période que l'on nomma la Terreur, et presque un an jour pour jour après l'exécution de Louis XVI. Pendant qu'à l'extérieur roulent les têtes, que l'on massacre allègrement dans les prisons de Paris, et que le sang coule à grands flots, place de la Concorde, salle Favart, les sauvages sont bons, les hommes braves et les femmes dignes, comme dans les couplets néoclassiques des fêtes de l'être suprême. Au lever du rideau, le décor représente le bosquet de la Concorde. Le bosquet, pas la place, place de la Concorde, on avait alors des activités plus tranchantes. Ouverture. Le théâtre représente donc le bosquet de la Concorde planté de papaniers, cocotiers et manguiers et de deux jeunes palmiers inégaux au pied desquels il y a un petit banc de gazon. De l'autre côté, au fond, est une échappée donnant sur la mer auprès desquelles sont des roches très escarpées. Quand la toile est levée, on voit, au loin, près des roches, Virginie. Elle ramasse des coquillages dans un panier et regarde de temps en temps si Paul ne vient pas. Celui-ci ne saurait tarder,
on entendra bientôt sa voix. Au-devant du théâtre, de sauvages indiens et esclaves fugitifs sont à genoux, avec leur chef au milieu d'eux. Ils chantent un hymne au soleil pour la commodité de l'auditeur. Les sauvages indiens ont la délicatesse, même quand ils sont entre eux, de chanter en français, langue qu'ils ne maîtrisent pas avec toute la perfection qu'on pourrait souhaiter. Ils s'expriment dans un langage simple, mais naïf. C'est la nature même. Thank you.
sauvages sortent. Restent les amants et la nature. Fatigués par le ramassage des coquillages, Paul et Virginie s'accordent un moment de répit à l'ombre des deux jeunes palmiers inégaux. Douce image que précise Paul à ceux qui ne l'auraient pas encore comprise. Arbre chéri, symbole de notre âge, recevez nos serments. Ah. Oh. Ensemble, se prenant la main et embrassant de l'autre le tronc de leur palmier. Que je m'y trouve bien. Que je m'y trouve bien. Quel tableau, c'est du Greuze. Elle aspect enchanteur.
attendre ce moment parfait, Virginie demande à Paul le médaillon qu'il porte contre son cœur et lui offre en échange son mouchoir. Tous deux observent en tous sens ce qu'ils se sont donné. Oh, nos chiffres enlacés et brodés. Oh, nos portraits réunis. Il est impossible de ne pas les reconnaître. C'est l'ouvrage de la nature et non de l'art. Et c'est aussitôt l'effusion des cœurs. Paul. Virginie. Paul. Virginie. Comme nos cœurs s'entendent. Je suis ivre d'amour. Entre Saint-Albe, le bon Saint-Albe et le père de Paul. Et comme il aime Virginie. Ma chère amie. Encore un mois à peine et Virginie aura 16 ans. Ma Virginie. Dès ce moment, Paul et Virginie se marieront. Ah, ma chère. Virginie demande en grâce à Saint-Albe de pouvoir dès à présent l'appeler son père. Ah, qu'elle est gentille. Elle est adorable. Mes chers enfants. Que d'amour. Sera trop peu.
parfait si la mère de Virginie pouvait vaincre le chagrin qui la ronge depuis la mort du brave Latour 15 ans plus tôt. La perte d'un époux qu'elle adorait laisse dans son cœur une triste empreinte que le temps seul peut effacer. Ah, je vais redoubler de soins et hâter, s'il se peut, ce fortuné moment. Virginie sort pour l'observer depuis une hauteur voisine. Ah, si c'était un vaisseau français. Quoi, mon père? Vous semblez... Écoute, il est temps que je t'instruise. Apprends que Virginie est le fruit d'un hymen secret entre la malheureuse Herminie et le brave Latour. Il était riche, Herminie, point. Hélas. Cette union déplut à la sœur de Latour, femme orgueilleuse et méchante. Elle le persécuta tant qu'il n'y put résister. Il mourut, laissant Herminie prête à donner le jour à Virginie. Ma chère Virginie. Elle n'a pas connu son père. Avec sensibilité. Oh, que je la plains, ma divine amie.
À peine Virginie fut-elle née que sa barbare tante, résolue de l'enlever à sa mère, Herminie s'arme d'un courage surnaturel, s'embarque dès le troisième jour et vient dans cette île où depuis 15 ans la mère et la fille, ma chère fille, vivent avec nous dans cet asile heureux. Mais mon père, depuis 15 ans, que peut craindre encore Herminie? Cette méchante belle-sœur est toujours redoutable pour elle. Déjà 2 fois, elle a tenté de lui ravir sa fille. Ma chère enfant. Le vaisseau vient d'entrer dans le port. Je vais voir de quel pays il est. Je ne sais, mais je me sens tout ému. C'est un pressentiment, c'est du pré-romantisme. Le bon Talbe sort, pendant que de l'autre côté paraît le brave Domingo. Domingo a l'air bien triste, lui qui est toujours gai. Oui, c'est vrai. Que peut-il avoir? Il a 40 ans. C'est le bon et fidèle serviteur de la malheureuse Herminie. Il s'exprime dans un langage simple et naïf. C'est la nature même. Mère, à vous, m'envoyez-vous dire que venir d'entrer dans le port vaisseau français et que vous rentriez? Mais brave Domingo, d'où te vient cet air triste? Oui, d'où? D'où, pardi, de celui de ma maîtresse. Depuis l'arrivée de ce vaisseau français, elle tout à coup pleine d'inquiétude, de tristesse et d'alarme. Pauvre, bonne maîtresse, que moi te plains. Ne t'afflige pas, je t'en prie, maîtresse à moi, c'est grand folie, maîtresse à moi, c'est grand folie, chagrin ne mène à rien de bon, chagrin est à sentiment. Comme il a raison. Domingo, maître. Et Babet? Babet? Oui. Tu ne nous en dis rien? C'est la promesse de sensibles instants. Écoutons. Ah! Moi, elle aimait si fort! Si fort! Mais? 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 Elle et moi n'être pas tout à fait du même âge. Quel cas intéressant! De 20 ans à près de 40, y avoir une grande différence. Il n'y en a pas trop quand on aime. Chers enfants, que de délicatesse. Accepteriez-vous de parler à la charmante Babet des sentiments du brave mais timide Domingo? Oui, de très bon cœur. Bon petit maître, bonne petite maîtresse. Etc, etc. Ce qui n'empêche pas d'être pratique. En attendant, porte ces coquillages à ma mère. Oui, maîtresse. Mais avec sentiment. Mais n'est-ce pas trop lourd? Quand bien même, qu'à ça ne tienne. Quel brave gens. Domingo sort. C'est un bien bon garçon. On vous le disait, tout le monde est bon. D'ailleurs, voyez encore. Quel bruit entends-je sous ce feuillage? C'est une jeune esclave qui semble excédée de fatigue et de peur. Elle a l'air bien effrayée. Elle s'exprime dans un langage simple et naïf, c'est la nature même. Être tout hors de moi, trembler de tout mon corps. Si elle, c'est elle peut-être. Qui? Qui? Maîtresse à moi. Être si méchante. Rassure-toi, il ne vient personne. Elle, pas comme mon maître, qui être bien bon, bien aimable. Mais apprends plutôt à ces bons enfants pourquoi ta maîtresse t'a si cruellement traité.
vivement aider cette malheureuse. Braves enfants, peut-être vos pleurs pourraient-ils apaiser sa cruelle maîtresse. Chère bonne, elle a attendri mon âme. Voyons, avoyons cette femme. Si son cœur n'est pas allongé, nous ne serons la danger. Nous la supplierons. Sensible. Allons, calme ta peine. Viens, pauvre enfant. Au ciel, que vous êtes bon. Dis-moi pourtant, votre habitation est-elle loin d'ici? Non, mais... Mais le chemin n'être pas bon, y avoir grandement de sentiers détournés ou être aisé de se perdre. Nous serons de retour avant la nuit. Eh bien, ne perdons pas de temps, partons. Oui, partons. Pauvre infortuné. Il s'enfonce dans les bois... Et la scène reste vide un instant. Ouf ! Le théâtre se remplit soudain de matelots, soldats et passagers. Le vaisseau français vient d'accoster. Oh, hi, so.
et les passagers se retirent au fond du théâtre et s'assoient au pied du rocher où ils mangent et boivent. Herminie, la mère de Virginie, entre éperdue sur la scène, une lettre ouverte à la main. Le capitaine du vaisseau la lui a remise en usant d'un ton fort sévère. Les matelots et les passagers continuent à boire au fond du théâtre,
voici que le bon Saint-Albe, le brave Domingo et la charmante Babet rejoignent la malheureuse Herminie. Je le sais, malheureuse mère, mais on parle d'embarquement. Sévère capitaine de vaisseau français. En aparté une lettre de cachet. Et j'ai de plus cet ordre, c'est la feuille tournante de nous poser. Thank you.
deuxième acte. Le théâtre représente une forêt avec des rochers très escarpés. C'est la nature sauvage et inviolée, telle que l'a formée l'auteur suprême de l'univers. Le soir est proche. Le brave Domingo et la charmante Babet paraissent en scène. Ils ont l'air inquiets et troublés. Leurs pas hésitants et les regards qu'ils jettent de tous côtés montrent assez leur douloureuse préoccupation. Ils sont à la recherche de Paul et Virginie, qui, de tout le jour, n'ont point encore paru chez leurs parents. « Reposons-nous un moment, » propose Babet. « Je le veux bien, » répond le brave Domingo. Que son amour encore inavoué pour la charmante Babet, autant que le péril encouru par ses bons petits maîtres, trouble vivement. Que je suis inquiète et chagrine à vous, l'aimable Babet. Et moi donc, risque le pauvre Domingo. Et la naïve et bonne Babet exprime cette pensée combien touchante, on sent que c'est la nature même qui parle. D'un sentiment si doux, si vrai, je chéris Paul et Virginie, qu'à l'instant même, sans délai, pour eux je donnerai ma vie. C'est dans de tels moments qu'on sent combien l'on aime. Comment dis-tu? Je n'ai pas encore eu d'amant et m'en suis passée. Ceci trouble de plus en plus le brave Domingo.
Mais ça n'être pas possible, car enfin, mademoiselle, avec un air, un regard... Mais je ne vous conçois pas, monsieur Domingo. Domingo s'embarrasse. Ah, mon Dieu, voilà que je m'embarrasse. Il s'embarrasse de plus en plus. Ah, voilà mon embarras qui me reprend encore. Qu'as-tu donc ? Je ne puis parler. Sentir un poil là qui m'oppresse. Sonner, ses yeux me font trembler. C'est que quand je l'empresse, qu'avez-vous ? Rien, rien. Sentiments, tendres aveux, quel charmant tableau que ce badinage amoureux alors qu'une poignante inquiétude pour leur bon petit maître étreint les deux braves Indiens, c'est la nature même. Babet, donne-moi d'avance un petit gage. Non, non, continuons à chercher Paul et Virginie. Ils sortent, chacun de leur côté. Sans adieu,
Domingo. Sans adieu, Babet. Mais voici Paul et Virginie. Ils sont en haut du rocher, excédés de fatigue. Paul se soutenant à peine sur un bâton, Virginie appuyée des deux bras sur Paul. Ils descendent du rocher avec la plus grande difficulté et vont jusqu'à un tronc d'arbre qu'ils gagnent en gémissant. Ah, asseyons-nous ici. Quel lieu solitaire et sauvage. Les pauvres enfants se sont perdus en chemin. Nous trouverons ici notre tombeau. Que dis-tu ? Toi mourir ? Paul te perdre ? Je souffre bien. Mon âme est confondue. Et pourtant, quel commencement heureux ! Tous deux ont si bien supplié la cruelle maîtresse que leurs pleurs, leurs plaintes, leurs caresses ont été payées du prix le plus flatteur. Non contente de pardonner à sa pauvre esclave, elle lui a rendu sa liberté. Et ma mère ? Et mon père ? Dans quelle tristesse profonde ils doivent être plongés tous deux. Que cet exemple vous serve de leçon. Oui, je le sens à présent. Une fille bien née ne doit pas même faire une bonne action sans le consentement de celle dont elle tient le jour. Thank you.
lieu sauvage, hors d'état de se soutenir, que vont-ils devenir? Je l'ignore. Et la nuit qui s'approche, quelle situation! Que résoudre? Que faire? Si vous appeliez... Qui nous répondrait en ce lieu solitaire? Essayons toujours. Le ciel aura peut-être pitié de nous. Paul gravit avec peine les rochers escarpés. Oh,
Le chef des sauvages indiens parle. Nous vous connaître, nous, vous aimable enfant, vous avoir ce matin fait un œuvre admirable, moi l'avoir vu en être encore tout enchanté. Et quelle œuvre admirable! Vous avoir obtenu d'une femme intraitable le pardon d'une esclave avec sa liberté. Ce trait de générosité vous rendra jamais cher à toutes nos peuplades. L'avoir dit aussitôt à tous mes camarades, et avoir résolu d'un unanime accord en témoigner à vous notre joyeux transport. Au Dieu de la lumière, en tout lieu, en tout temps, vous adressez nos chants, notre hommage sincère. Nous l'adressez de même à vous tendre amant, mais mortel bienfaisant, sont des dieux sur la terre, sont des dieux sur la terre. Oh,
après avoir formé les deux palanquins ou brancards avec leurs pics, des branches d'arbres et des lianes, y placent Paul et Virginie et se mettent en route aux religieuses acclamations des sauvages et aux chants de reconnaissance de toute la troupe. Troisième acte, le théâtre représente, le théâtre ne représente rien, le livret ne fait aucune mention de décor. Alors, il est simplement précisé que la malheureuse Herminie et le bon Saint-Albe sont en scène en proie à la vive agitation que leur cause l'absence de leur malheureux enfant et l'arrivée prochaine du capitaine de vaisseau français. Nous allons donc tenter une restitution scientifique de la scénographie en nous fondant sur les critères techniques, psychologiques et sociologiques de l'époque. Premier critère, la nature. Le théâtre représente une prairie fermée d'un côté par des rochers et de l'autre par une vue de la mer. Deuxième critère, la nature, miroir des sentiments qui agitent les personnages. Le théâtre représente une prairie lugubre, fermée d'un côté par des rochers affreux et de l'autre par une vue de la mer aux flots agités et livides. Troisième critère, le confort des protagonistes. Le théâtre représente une prairie lugubre, fermée d'un côté par des rochers affreux et de l'autre par une vue de la mer aux flots agités et livides, devant laquelle se détache un banc de gazon. Enfin, quatrième critère, la note de niaiserie, d'autant plus indispensable au goût du temps que dans un grand mouvement de schizophrénie absolue, le spectateur retrouvera en sortant du spectacle une atmosphère exactement contraire. Le théâtre représente une prairie lugubre fermée d'un côté par des rochers affreux et de l'autre par une vue de la mer aux flots agités et livides devant laquelle se détache un banc de gazon au fond du théâtre et la petite maison dans la prairie de Saint-Albe au fronton de laquelle figurent deux colombes enlacées avec ces mots gravés « piété, honneur, bonté ».
Et là-devant, la malheureuse Herminie et le bon Saint-Albe attendent courageusement que leurs esclaves retrouvent leurs enfants. Et font ce qu'ils savent le mieux faire, gémir sur leur sort et pleurer sur leur malheur. Chef des sauvages s'avance. Esclave ce jour, voir finir sa vie.
Sauvages indiens sortent avec Domingo et Babet. Mon père! Ma mère, hélas! Quoi, mon père? Vous détournez les yeux? Quoi, ma mère? Vous pleurez? Mes chers enfants, ne nous interrogez pas. Comme c'est commode. Vous serez trop tôt instruits de nos malheurs. De nos malheurs. Et des vôtres. Thank you.
Eh bien, dites quelque chose. Malheureuse fille, ciel, que dis-tu? Oh, 100 fois plus malheureuse mère. Et allez donc. Parlez, je ne le puis. Quel mystère, Herminie, expliquez-vous. Tiens, cher Paul, lis. Ma sœur, envoyez-moi Virginie, à laquelle je destine tous mes biens. Et un époux digne de mon rang. Ciel! Qu'entends-je? En cas de refus, le capitaine exécutera de force les ordres dont il est chargé. Ainsi, cher Paul, il faut obéir. Cher fils, prends pitié de notre douleur. Plutôt la mort! Oh!
juste marmot. Barbare sans pitié. Barbare sans pitié. Vous voulez aujourd'hui d'un cœur de feu comme le mien, arracher la flamme dévorante que vous y avez allumée? Eh bien, si ma juste fureur ne peut s'assouvir dans le sang de mon lâche ravisseur, du moins le barbare ne m'empêchera pas de m'attacher jusqu'à la mort aux traces de ma Virginie. Ce qui est bien chez les personnages très bons, c'est qu'ils deviennent très vite très méchants avec ceux qui ne sont pas de leur avis. C'est la nature même. Jusqu'au dernier instant. Il faut vous séparer de votre fille. Allons. Mais Paul s'empare de Virginie. Oh, oh. C'en est trop, madame, si la nature peut se taire au fond de votre cœur. La nature. L'amour réclame au fond du mien contre un acte tyrannique dont s'indigne la tendresse et l'honneur. L'honneur, jeune imprudent. Le capitaine a porté la main à son épée. Qu'importe, nos liens sont si forts que rien dans la nature. La nature ne saura les briser. Il est temps d'arrêter ce fougueux délire. Madame, le capitaine tire de sa poche une nouvelle lettre. Vous vous rendrez aux ordres portés dans cette lettre-ci. C'est une lettre de cachet. Ciel ! Herminie lit la lettre et marque par intervalle le plus grand saisissement. Les autres la regardent attentivement et ont l'air de chercher à deviner ses mouvements de terreur. Finale. «
le capitaine enlève Virginie et sort avec les soldats. Soudain, on entend gronder au loin le tonnerre. Et représente un port. On voit d'un côté un rocher très avancé qui domine la mer, de l'autre le vaisseau français. Le capitaine et les soldats traversent le théâtre au milieu de l'orage et transportent Virginie au vaisseau. Elle est évanouie et échevelée. Les sauvages indiens poursuivent les soldats. Leur chef rejoint le capitaine du vaisseau, lui arrache Virginie pantelante et le précipite dans les flots déchaînés. Au même instant, la foudre tombe sur le vaisseau et l'enflamme. Paul entre précipitamment, le chef des sauvages lui remet Virginie. Herminie, Babet, Saint-Albe et Domingo viennent en hâte et marquent leur surprise et leur extrême joie en voyant Virginie sauvée et rendue à Paul.